Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wana nyangwa tukufu. Mes chers frères et sœurs, cet tuto, je ne veux pas le séparer parce que c'est un petit tuto que je comptais directement lui faire et vous expliquer certaines choses selon lesquelles chaque personne qui utilise de l'informatique, qui sache directement qu'il y en a des effets secondaires, pas directement comme les médicaments, mais les risques du métier. Et comment éviter cela? Et entre-temps, si vous êtes en train de m'écouter et vous ne comprenez pas notre langue nationale, je vous demande pardon parce que le tuto, je dois le faire en deux langues. Je ne veux pas les séparer, c'est-à-dire je ne sépare pas les deux titres. Je ne fais qu'une seule titre. Et du coup, je le diffuse en direct sur notre page Facebook, mais je l'enregistre pour que je le mette directement sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, vous savez très bien que on ne peut pas supporter rester 24 heures sur 24 heures ou bien 8 heures de temps à notre ordinateur sans pour autant qu'on passe en ligne, à moins qu'on n'a pas la connexion. Mais la majorité des gens qui restent bout, soit ils regardent des films, soit ils se connectent, c'est-à-dire ils font des recherches. Là, ils utilisent forcément un moteur de recherche, ils recherchent par exemple Google, etc. et tout ça, YouTube, et ils regardent presque partout. De ce feu, la lumière blanche que vous voyez ici, vous voyez très bien que chaque page qu'on va ouvrir, par exemple, on peut trouver directement genre des couleurs blanc, noir en blanc, etc. et tout ça. Chaque page qu'on va ouvrir, on peut directement trouver les différentes couleurs. Ce qui fait que le noir en blanc fait énormément du mal aux yeux. On n'arrive pas à le supporter très longtemps. De ce fait, la majorité des gens ou bien dans les pays européens, les occidentaux, vous pouvez constater qu'il y en a beaucoup de gens qui portent directement des lunettes et n'arrivent pas à supporter la lumière et tout. Alors, pour éviter que on arrive à la même problème que les autres, je compte vous faire un tuto, un petit tuto très simple, une application selon laquelle on va l'ajouter comme un plugin dans tout le moteur de recherche que nous on utilise pour que nous puissions directement utiliser le mode sombre de l'ordinateur. Par exemple, la nuit, vous pouvez vous asseoir dans votre ordinateur, vous avez allumé la lumière, mais à un moment donné, vous ne voyez pas très bien le clavier. Qu'est-ce que se passe là-dedans? Premièrement, c'est que les yeux commencent à être fatigués avec la lumière, qu'elle soit avec l'écran. Et les pages selon lesquelles vous utilisez distribuent énormément cette lumière. Alors, je décidais de faire ce tuto. Vous montrer l'application, comment l'utiliser. Et comment désactiver ce mode sombre, comment aller activer ce mode sombre quand vous en avez besoin. Alors c'est parti, je veux parler à notre langue nationale. Wananyangwa tukufu mori hale mzijuwao. Wakati mwengi wasirumia rumia ordinateur. Neka musiende wa
leo wajamaza tuwa kutubeberuwa na wengi na waofa macho waka problemu ya macho wote waka jalanti wakati mwengi yani wadima oksidanto ni manentini wasilumia wakati mwengi ordinatori ulaharnez ordinatori wasilaharna jo ilaharna jo wasirigi ajapanya reshershi wasibaki shababu alini wakati mwengi alisi wakati mbaki shwa alini wakati mwengi lazima nikemba ujumbe lumieri uremo ya macho yetu kudeturize ya macho ufira mezuri ata kutoshinda waona hali ya lazima nilukamba hali ya lazima nikemba waona yote zi efe yani zote zi konsekansi zilio yani zi risk du metier wawo hazu uonjuo kajamba kakila mtu wayo fanya research kakila mtu wayo jikonekte hangu kakila mtu wayo genzamba tulta ake anlini ngalie zo zikijirio asome majurnali apate chongo nyengida nubano lukambade na fikiri amba ni mfanyi ni ititoini tito lukamba itompermete ni mchongo nyengi lukamba zo za muhimu zijuwe e amplus de cela ne kama sone aplikasyoni na mwelombe aplikasyoni tu erumia harne vwa ipe inde installe wa harne telefoni mobili za mwena na wabu ritozo nao wabu ti balance tu wani haleni mwi mwiyoni wabu itongoro tu fanya utasir evite ma problemu zonti za andani de wasi ukubali ukajamba lazima nikemba rumie modu ukamba modu sombu yani harne zi page de recherche Google, Mozilla, il y en a beaucoup. Quand la page de recherche, aujourd'hui, le cambashoche te permette ou trouver les problèmes zahés au mode sombre. Wabo, il y a nous ou trouver les mots dits, il y a les images en noir et blanc, ils sont fatigués à match. Wabo, application yo, tiens yo ya van, application le cambashamba, ils sont faillis, hangouvangouv. Be musifanya ntini musi zungwe application haurema mba dark be wai dark web wai dark neti wa yani zo siti za mapirati besle yo musitape direktoma daikredor tiyani ya van halin muhi valide application musi jem parse direktoma vane katifanya kilite do nito joni buwekamo direktoma bakumu wala wakati mwabuwa hii aplikasyo hini musiche mungalie mwemo mungalie zi metode de recherche pia za dunen harvan halini zo zilo kamba zoru milu wakuru ama zina hii aplikasyo hii aplikasyo hini sidile zaje wakati ilo kamba wa harina jurne amba wa jurne utojua udezaktive umodi somba wakati ilo kamba ukungia umengene zino uza salia utojua uaktive de ya matso ya singeela wabo risijeri rege harna izilu hazo kuminambili risijeri telecharge application na hale lukamba de mchwerum yao bon mes chers frères on est arrivé à l'application on télécharge l'application comme vous le voyez ici j'ai tapé directement dark comme le dark web ce n'est pas le dark web ce qui est sûr c'est dark leader comme ici comme si vous téléchargez par exemple un fichier le PDF là que vous voulez l'installer souvent on utilise celui-là on utilise si on tape par exemple Flex si vous tapez par exemple ce passe Flex quoi Flex Reader voilà vous verrez le Flex Reader ici même mais ce n'est pas le Flex Reader qu'on est en train d'utiliser c'est le Dark Reader vous venez directement ici vous cliquez là comme ça l'application va directement automatiquement s'ouvrir et dès que c'est revient ici là vous voyez il y en a les applications bon selon laquelle nous on utilise souvent Google on utilise aussi Mozilla si vous êtes à Mozilla comme moi que je suis à Mozilla qu'est ce que vous allez faire vous avez seulement cliqué ici voilà 4 mois sur le van à l'île
mon application ou le cambadouan mouirumia ou ne cam surumia mac moussi mrenga dianu safari tuan havan halim ne cam surumia de harina mou installé i Windows 10 yo ina i tinini application ou en tout cas rumia harina ali halu kade internet explorer ou n'y a remplacé par i application ni hiro kajamba EDGE yani application de Oerumia avant ça va nous remplacer l'application à l'aile ou si j'ai recliqué juste puisque on tient les Mozilla si j'ai cliqué harne Mozilla à l'aile ou quand tu cliqué directement harne Mozilla il donc au cas ici zéro hallo ou si j'aime ban à l'aile j'aime télécharger l'application Sregia Dark voilà mon gars les arômes voyez Firefox directement à ce indiqué Riboua Sregia Van Halim voilà on est là vous cliquez ici et vous venez ici là où nous y sommes c'est ici là. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire addition. Ça, c'est add. Le plus qui est là. Vous cliquez seulement ici. Et dès que vous avez cliqué, vous allez seulement ajouter. Vous ajoutez là-haut. Comme ça, ajouter l'application. C'est-à-dire ajouter un plugin. Lui donner la permission. Là, vous cliquez OK. Là, ici, j'ai compris et j'autorise. Et bien, nous autorisons les extensions qui ont des plugins, mais aussi nous avons des contrats ici. On autorise l'application et on tape « J'ai compris ». Et là, c'est tout. Le tour est joué. Qu'est-ce qui va se passer? Si ce monsieur qui est là, vous voyez ici, dans l'autre côté là, ici, s'il est là, s'il est en marche, là, c'est en noir. S'il n'est pas en marche, là, on le désactive. Là aussi, on regarde l'autre page, on le actualise. Ça ne se passe rien du tout. Mais si on retourne ici, on le actualise. Et hop, c'est parti. Vous voyez, tout est en noir en blanc. Et comme ça, pas en noir en blanc. Il est déjà changé là, en noir en blanc. C'est-à-dire là, on a sorti le mode blanc, on l'a totalement éradiqué et on vient en noir, mais en noir avec d'autres couleurs qui n'est pas du tout des couleurs dangereuses vers nos yeux. Et là, on peut directement s'adapter facilement. Si par exemple, j'en ai envie de traverser par exemple Facebook, il suffit que je clique Facebook par exemple. Je me connecte et dès que je me connecte, il change complètement la plateforme et ça revient. Oh, oh. Vous voyez déjà, là, cela c'est cool. Cela c'est cool. Vous pouvez rester au Facebook jusqu'à la nuit, toute la nuit, faire une nuit blanche, mais vous vous trouverez à l'aise. Alors, mes chers amis, c'est ça l'idée, c'est l'application en question que je comptais vous montrer aujourd'hui. Et je crois que vous avez compris et que vous apprécierez cette application. Alors, on se trouve à très bientôt pour d'autres applications. Et n'oubliez pas que j'ai pas oublié qu'on a d'autres cours à faire. Mais celui-ci, on doit aller doucement et éviter que vous trouverez à un moment donné de vous décourager de l'informatique parce que il y en a trop de risques envers vos yeux et il y en a rien au monde qui vaut un œil. Alors Jumazanguni yo de wa no resia complètement harna disra ko fanya pues de wa minuta han moye se no kajamba certe harna informatique wa naja ou danger de mtu perde ya macho na yetu tongo njema na yu mengonua utajiri mlipavu msulisi nuru Allah hartamani yazo wasuona zosilo kapa jamba Allah hartamani yazo alhamdulillah rabbala amina arisi shukuri ya wolo kamba arumbu arubi macho arubi ankili arubi maisha ufikiri arubi tongo nyengi de uhimidia Allah subhana wa ta'ala na umushuri ya ni jimwa ya hayu na baraka mi haa siukaja wa marisidali
Na sombia na mbaro tso kiliana hayo wenza he jalla waenza wakati wangina wao jimanjema ya